Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler rêve, avenir, bonheur et surtout des poneys. Car vous savez que mes trois loulous sont très importants pour moi, ils sont une partie de moi et ils m'ont aidé à surmonter beaucoup de choses, donc je ne vois pas mon avenir sans eux. Et comme toutes les personnes que j'aime et même les êtres vivants que j'aime, je souhaite leur bonheur, leur bien-être et je me suis souvent posé la question de si mes poneys étaient heureux avec les conditions de vie que je leur offrais et je me suis souvent imaginé une vie idéale pour eux, des conditions de vie que j'aimerais réellement leur offrir. Du coup j'ai trouvé ça sympa de vous en faire part aujourd'hui, donc c'est parti. Actuellement je ne peux pas dire que mes poneys sont malheureux, je leur offre une vie plutôt correcte avec des bonnes conditions. J'essaie de faire un maximum, comme avec mon papa on leur construit vraiment des installations au mieux en fait pour qu'ils soient bien. Mais tout d'abord quelque chose que j'aimerais pouvoir leur offrir, c'est au niveau du terrain. Donc actuellement mes loulous sont dans 3000 m², donc ils sont pas malheureux, ils peuvent déjà se dégourdir pas mal les pattes, mais du coup il y a le petit souci qu'il n'y a presque plus d'herbe. J'ai juste ma petite parcelle en haut où il y a un peu d'herbe, mais sinon il n'y en a pas. Donc ce que j'aimerais offrir tout d'abord, ce serait un parc beaucoup plus grand pour eux, pour qu'ils puissent avoir de l'herbe presque toute l'année, mais vraiment oui, également un plus grand espace. Donc comme je dis, si j'arrive à trouver 1 hectare pour eux, ce serait vraiment génial, mais même 7000 m², 8000 m², ce sera déjà beaucoup mieux que ce que j'ai actuellement. Et voilà, au mieux, ce serait vraiment pouvoir leur offrir un espace comme ça pour qu'ils puissent vraiment se défouler à longueur de journée comme ils veulent. Seconde chose que j'aimerais pouvoir leur offrir, c'est également au niveau des terrains. Bon, malgré que c'est un confort pour eux, mais également un confort pour moi, j'aimerais pouvoir leur offrir un terrain plat. Là où je vis, nous sommes en pente, donc les terrains des poneys sont en pente. On a quelques petits endroits qui sont plats, mais voilà, les loulous sont presque à longueur de journée un peu penchés. Et je ne sais pas si c'est réellement bon pour eux, mais je sais que pour moi, c'est vraiment catastrophique. Quand il y a de la boue, je glisse. Encore tout à l'heure, quand je suis allée m'en occuper, j'ai failli me casser la binette à cause de la boue. Mais vraiment, j'aimerais offrir un terrain plat pour eux. Voilà, quelque chose qui soit beaucoup plus plat pour pouvoir également construire des choses plus facilement. Donc voilà une seconde chose que j'aimerais pouvoir leur offrir. Troisième chose que j'aimerais leur offrir, c'est une très belle écurie. Bon, encore ça, ce serait également un peu mon plaisir à moi, car les loulous ne verraient pas la différence entre une écurie standard, sans décoration, avec du simple bois, et une écurie construite avec des aglos et tout. Mais vraiment leur construire un abri, quelque chose, un toit où ils puissent être à l'abri et être dans les meilleures conditions. Je vois souvent des propriétaires qui construisent de magnifiques choses pour leurs chevaux, et sur Facebook, je suis une page où ils ont des chevaux miniatures et à l'aide de simples cabanes où on rentre normalement du matériel de jardin, ils ont fabriqué les mêmes box côte à côte et c'est vraiment magnifique et ça me fait rêver de comment ils ont transformé ça. J'aimerais pouvoir également offrir ça pour mes loulous, malgré que comme je dis, ils verront pas la différence entre un box qui est décoré et un box qui n'est strictement pas décoré. Autre chose que j'aimerais pouvoir leur offrir, c'est de trouver un terrain proche de la forêt, de plein de chemins de balade. Car j'aimerais pouvoir leur proposer toujours des balades, de faire des belles choses avec eux et qu'ils soient vraiment proches de la nature, pas proches de la route et tout. Mais vraiment, ouais, trouver des espaces naturels et tout qui seraient super sympas pour faire des balades. Car je sais que mes loulous adorent les balades, sauf que j'en fais plus énormément en ce moment. Il faudrait vraiment que je reprenne cette habitude d'aller les sortir régulièrement en main. Et voilà, franchement, ouais, une des choses que j'aimerais, c'est de trouver aussi proche de la forêt, des champs et tout, pour faire des balades vraiment super. Avant-dernière chose que j'aimerais offrir à mes loulous, c'est grâce à un terrain beaucoup plus grand, et leur offrir des copains. Pas forcément des copains que j'achète, hein, on se calme, mais pourquoi pas pouvoir accueillir des pensionnaires, du coup, des chevaux de différentes tailles, de différentes caractère, vraiment pour que mes loulous puissent se retrouver en troupeau, vraiment qu'ils soient le plus proche de leur état naturel. Et voilà, ce serait vraiment super sympa, et même pour moi ce serait idéal, parce qu'au moins ça me permet
pourquoi pas de trouver de faire de nouvelles rencontres, d'avoir des relations humaines, parce que dans mon terrain, je n'ai pas énormément de relations humaines avec des personnes de l'extérieur. Mais franchement, ce serait plutôt pas mal. Je trouve que ça serait vraiment super sympa que mes loulous puissent avoir des nouveaux copains de jeu et ne pas se retrouver tout le temps que tous les trois. Et dernière chose que j'aimerais leur offrir, c'est pouvoir me trouver soit près d'un centre équestre pour avoir toutes les installations de travail que tout le monde rêve et tout d'avoir, ou soit avoir un espace supplémentaire près de mon terrain pour pouvoir construire une magnifique carrière, mais une carrière comme les centres équestres, vraiment dans les normes, tout à fait magnifique, avec du sable et tout, pour pouvoir travailler correctement mes loulous. Car actuellement, ma carrière est beaucoup trop petite, je n'arrive pas à faire énormément de choses. Même quand j'ai voulu travailler Bilbao, ça a été assez compliqué à cause de l'espace. Donc j'aimerais pouvoir leur offrir une carrière, une belle carrière, pour les travailler correctement, pour faire correctement leur éducation. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir leur offrir également, pour eux, parce que le travail, c'est très important pour leur bien-être, pour leur santé. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ce que j'envisage pour mes loulous, ce que je rêve pour eux, vous fait rêver également. Je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut !